aperçu tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Days Gone avec l'épisode 22. On est directement reparti en enfer. On se retrouve tout de suite au camp d'Iron Mike. Allez re tout le monde, on est reparti directement au camp d'Iron Mike et notre mission se trouve à 10 mètres. Incroyable! C'est parti, dis-moi tout! Même moi, je vous avoue que j'ai mis pas mal de temps pour cet épisode et je me suis un petit peu perdu. Il est temps qu'on se rattrape. Où est Boozer? Non. Aucune idée. Comment ça, aucune idée? Je croyais qu'il était avec toi. Bah ouais, jusqu'à ce qu'il se barre, le con. Pardon? De quoi tu parles, putain? Lâche-moi! Écoute, il a chopé une bouteille de whisky et il a dit qu'il rentrait chez lui. Point barre. Espèce d'enfoiré, je parie que t'as même pas essayé de le retenir. Hé hey! On a essayé. Mais je sais reconnaître une cause perdue. Et ce type-là, il est au bout du rouleau. Ah! Ça me fait un petit peu de peine tout ça. Ok, je me souviens, on était sortis d'une mine qui était énorme, vraiment. On s'était perdu à l'intérieur. Très bien, se saouler à mort, monter sur votre moto. Et ben, on est parti. Et c'est pas ma moto, donc je vais pas monter dessus. Ma moto est ici. On va aller voir Boozer et essayer Ricky, de le sauver, le pauvre, parce qu'à mon avis, il est pas bien. Qu'est-ce c'est moi qui te le dis. Il est peut-être retourné au nord. Boozer est parti, il est toujours pas rentré. Oh, merde. Tu vas là-bas? T'as besoin d'aide? Non, je vais le retrouver. Ok. Eh bien, c'est parti, on ressort. Je vais chercher Boozer, il est vers où d'après vous? Oh, il est Boozer, pas loin. T'es là? Ousmane? Ouais, Dick. Ouais. Je suis là. Putain, où t'es? La nuit commence à tomber dehors. Où ça? Je suis à la ferme. C'est pas vrai. Reste où t'es, je viens te chercher. Rester où je suis. Ouais, c'est facile. Je suis à la ferme. La ferme du fermier. Le fermier dans son pré. Et il va pas y être, ce con. Ça risque d'être terrible. Y a pas un piège là? Déconnez pas. Oh, y a encore les cadavres. Incroyable. Ça sauvegarde vraiment les cadavres pendant pas mal de temps quand même. Hein. On se souviendra du loup qui était au nord, vraiment là où on a spawn dans le jeu dès le début, qui était resté bon nombre d'épisodes en plein milieu de la route comme un con. Attends, la ferme c'est où? C'était pas juste ici? Je m'égare. Ok, ça sent pas bon cette petite histoire. Hein. J'espère qu'on va pas le perdre sur le chemin, frérot. Hop, petit drift, parce qu'on est des drifters, excellent. Wouah! Putain, c'est bon, on est bon. Wouah! Voilà la ferme. Après Ricky, c'est ici que l'équipe est venue. Boozer! T'es là, Boozman? Merde. Bon, voilà la ferme. Ah. Hé, hey, où est Boozer? Qui ça? Non, y'a personne. L'équipe est rentrée, elle a fini sa journée. Non, il est toujours là. Un grand baraqué, manchot! Ouais, je vois de qui tu parles. Il est parti par là, vers la vieille ferme. J'ai cru qu'il demanderait à quelqu'un de le déposer. Si tu le vois, dis-lui... De rester là-bas et appelle-nous, Ricky ou moi. Ok, pas de problème. Ok, on est reparti sur la moto. Hop, je fouille un petit cadavre. Hein. Ça gêne personne par ici. Très bien. Hop, je fouille un autre petit cadavre. Ça gêne personne par ici. Très bien. Et hop, un troisième petit cadavre. Parce que jamais 203, c'est incroyable. Tout va très très vite ici. Très bien. Bon, on est reparti. Il est où par contre? Ah, dans un endroit encore inconnu, jusqu'ici. Ça s'appelle la vieille ferme. Si vous voulez mon avis, et peut-être que vous en avez rien à branler, je vous comprendrai. La vieille ferme, ça sent pas bon le mot vieille. Hein. Ça veut dire qu'elle a été abandonnée, hein, t'as compris. Hein. J'ai pas de faire de schéma. Hein. Donc à mon avis, ça va être Walking Dead là-haut, si tu vois ce que je veux dire. Je pense que je vais peut-être pas rentrer vivant hein, de ces conneries-là. On va essayer quand même. Oh là là, non, oh non, ça sent pas bon. Ah non, ah catastrophe. Boozer! T'es là? Crie pas, frère. Boozman! Putain, où t'es passé, Boozman? Schizo a dit qu'il avait une bouteille de whisky. Où il irait s'envoyer une bouteille de whisky? Où il irait s'envoyer une bouteille de whisky? Peut-être dans l'une de ses fermes. Je dirais d'instinct là-dedans, hein. Je dirais là-dedans. Oh! Oh non, ça va partir en couille. Ok.
Ok. Il y a beaucoup trop de munitions. Si vous voulez mon avis, encore une fois, je sais que peut-être vous en avez rien à foutre. Il n'y a rien ici, je crois. Là-haut, vous croyez? Dans cette baraque? On va voir. Peut-être un petit peu de ferraille, ça peut faire du bien. Mais oui, bête, tu peux pas lui demander tout simplement, frère, au lieu de courir après? Pendant une demi-heure? Hop, je prends. Silencieux pour un principal, frérot, ça c'est cadeau. Ça doit être là. Yes! Bowser! T'es là? Non. Y'a personne. Ouais, ça a l'air d'être ça. Bonne lecture. Une bouteille okay. De whisky. Vide. Attends une seconde. Une caisse de bière? J'ai peur, bro. Faut pas faire ça, les gars. Ça. Ouais. Ça y est. Elle s'est barrée. Elle fait tellement flipper. T'es où la folle? Ok, je crois que c'est bon. Ok, je crois que c'est bon. Pisté Bowser. On va suivre la main. Donc il allait où? J'avais vu une main par ici. Là, y a rien à prendre encore, toujours. On sait jamais si... Des petits clous. Et Eva, à mon avis, dès qu'on va trouver un indice, elle va rappeler du monde. Hein. Je vois pas comment je peux la tuer en vrai. Hein. Non, c'est pas par là. Ok, bah attends, on prend des munitions, frérot. T'as vu l'embrouille là? L'autre avec sa grande gueule, c'est terrible. J'ai hâte d'avoir son oreille, ça va rappeler grave. Ok. Ça y est. Alors, ma grande, comment tu t'appelles? Buglard, une Buglard. Eh bah ouais, mais ça ouvre sa gueule, hein. Ça ouvre sa gueule à tir l'arigot. Hop, on va fouiller ça. Bon. Je pense que la preuve est par ici. Alors, par contre, on va trouver. Je vois pas comment je peux trouver un Bowser, là, comme ça, là. J'avais vu une trace de main tout à l'heure. Ah si, putain, j'ai trouvé. Ok. Quelque chose. On a quoi? Alors, dis-moi tout. Et voilà. Une bouteille de bière, vide. Ça part par là. Oh, chier. Schizo avait raison. Il rentre chez lui. Il est à pied. Il peut pas être allé bien loin. Je vais avoir besoin de ma moto. Ok. Bowser! Bowsman! Salut, Dick. Comment ça va? T'as dit que tu serais à la ferme. Je viens de partir, et t'es pas à la ferme, Bowser. Quelle... Ah! L'autre ferme. Dick, je suis dans l'autre ferme. J'ai envie d'y en coller une, hein. J'ai trouvé un pack de bière. Je me suis dit que j'allais aller faire un tour. Une petite balade au coucher du soleil, quoi. Et du coup, j'ai marché jusqu'à l'autre ferme, tu sais. Ouais. Le McDonald's avait une ferme. Oh, merde. Bonsoir, qu'est-ce que tu fous? Ok. Plein dans le mille.
Ok. Il faut que je recharge. J'ai des coups tous, rien à cirer. Allez, ça dégage. Les petites racailles là. C'est ça. Bon. Et dis-moi tout. Ah. Ok. On est déjà dessus. Qu'est-ce qu'on a? Ça sent pas bon cette connerie. D'autres cadavres de bière. Toutes vides. D'autres traces. Non okay. Mais genre il a pas entendu m'étirer. Il est pas dans la grange. Cette maison. Ouais. C'est presque comme une grange. Ou pas. Je peux pas les récupérer les. Chier. Ok. Allez, ça dégage, hein. Ça, c'est de la petite racaille, ça, hein. Je vais regarder ça de plus près. Ok. Je suppose qu'il va falloir faire tout le tour. Peut-être passer par ici, cascade. Voilà. On pouvait peut-être ouvrir, hein, j'ai pas les couilles. T'es là ? Boseman ! Très bien. À l'étage. Ok, bon, et maintenant ? Très bien, très bien. Plus de munitions par contre. Vous en avez donné tout à l'heure et là c'est fini, hein. Fermeture. Notre chambre. Fermeture du bar. Bon. Ok. Oh, il a bégé ou quoi, gros? Et un autre cadavre de bière. Lui est humide. Non, attends. Oh, je veux pas savoir. Les gars, dans un pack il y a 6 bières. Bon, faut arrêter de me prendre pour un connard. Boozer. Booze. Hop, micro cascade. Dick, je pensais que tu viendrais boire un coup avec moi et se promener un peu. Boozer, t'es où? Regarde autour de toi. Dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce qu'il y a à proximité? Donne-moi un repère, n'importe quoi. Je t'ai déjà dit. Oh, regarde-moi ça. Regardez quoi, Boozer? Qu'est-ce que tu vois? La route. La route, elle a disparu. C'est comme si quelqu'un a été vu et je sais pas. Comme s'il l'avait emporté. La route a disparu? Mais si. C'est... comme si quelqu'un était venu et il l'avait emporté. Je marche et la route a disparu. Ouf. Où est-ce que tu vas, Boozer? Chez moi. C'est là que je vais. Chez moi. Reste où t'es. Planque-toi, fais pas de vagues. Guette le bruit de mon moteur. J'arrive. Ma question de me planquer. J'entre chez moi, Nick. Chez moi. Là, il commence à devenir bien chiant. Un peu trop chiant à mon Détruite. Goût. Ah! Je vous avais dit quoi, putain? Ben ouais, mais c'était tellement évident. C'est quoi ça? Quoi? Oh, une autre bouteille de bière. Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. Oh non! On avance. Vas-y, Captain Crochet, hein, fais-moi rêver. C'est sûrement lui. De quel côté? Je m'en sors bien. Bingo. Des empreintes. Ok, on va prendre des champottes. Je pourrais pas le ramener sans ma moto. Très bien. Donc, il est bien retourné au nord. Boozer, t'es là? J'y suis presque. J'ai remonté ta piste comme tu m'as appris. T'es là, frangin? Oh, sérieux, Boozer, reste un peu en place, ok? Qu'est-ce que c'est que cette route de mort? Enfin, y'avait pas ça au début, ici? Oh. Hop, vous l'avez vu, je l'ai vu, on s'est vu. Voiture de flic, clairement pas négligeable. Là, le Boozer, il commence un petit peu à m'échauffer, là, hein. Ok. Allez, fais-moi rêver. Ah. Le voilà! Boozer. Un peu tard pour la balade. Hey, Dick! Comment ça va, vieux frère? Boozer, tu vas où? Chez moi. Et je rentre à la maison. Ma maison. On peut pas retourner au Mont O'Leary. Non, je vais pas au putain de Mont O'Leary, je rentre à Farewell. Oh, merde. Non, commence pas, joueur. Tu veux m'en coller une? Parfait. Fais la queue derrière eux. Oh,
Par ici! Ok. Alors ça y est, c'est comme ça qu'on crève. Attends, sauf non, ta peau. Non, puis quoi encore? Hein, Boozer, hein? Mon pote? Boozer! Le soir où ta femme a été tuée. Qu'est-ce que je t'ai dit? La nuit où tu as dit. Hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? T'avais descendu une demi-caisse de whisky, tu voulais te saouler à mort. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. T'as pris une bouteille, tu te laisses siffler, ça en faisait du putain de whisky. Et tu m'as dit que si je comptais me saouler à mort, tu resterais à mes côtés. À côté de ton frère. Alors je te le répète, Boozer. Ça y est, c'est comme ça qu'on crève. Le camp. Ah! Allez, fonce, fonce! Je fonce! Ah putain! Fonce plus vite alors! Oh, j'ai peur! J'ai peur! Hop, cascade! Un bus scolaire! Hop! Je le vois! Micro-cascade! Je connais le bus scolaire que je demande. Oh, c'est génial, putain, c'est génial! Hop! Why? Désolé! Non! C'est pas comme ça que je dois crever! Oh putain, j'ai eu tellement peur! Des buteurs! Oh, mais je les vois, Boozer! Ok. Je sais pas où aller. Waouh! Ah bah, j'avais le choix d'aller à gauche ou à droite, hein. Ah bah, c'était pas le bon choix. Ah bah, c'était pas le bon choix. Waouh, waouh, waouh! Non mais attends, faut que je refasse tout le truc là, les ambulances, l'esquive et tout. C'est l'enfer. C'est quoi ces slaloms de mort? Et bon, on est parti. Ok, alors. J'ai une batte de baseball les gars, dans les mains. C'est quoi ces bugs? Les épaves de bagnole. Je les vois, bouseur. Hop, le bus, hop, cascade. Oh la vache. Cascade. Ok. Allez, cette fois-ci c'est à droite. J'ai envie de tourner la caméra. Hop, 360, ça va, on est là. Et merde, des mutants. Sans déconner. Oh, mais je les vois, Boozer. Oh, j'aurais dû aller à droite tout de suite. Ma vie est tellement nulle. Ok. Un petit 360. On apprécie. Ok. On les a semés. Ouais. Eh bien. Ça va aller. Je sais. Je l'ai toujours su. Bon, j'ai failli mourir à peu près 365 fois. Boozer, écoute-moi. Non, je veux juste te dire merci. Sérieux. Boozer. Non. Écoute-moi, putain. T'es venu ici et tu m'as sauvé la peau. Encore une fois. Je t'en dois une, Frangin. Je t'en dois une. Non, Boozer. C'est moi qui... Écoute, si t'avais pas été là, ça ferait un sacré bail que je serais mort. Ou pire. Ouais, Kay. Tu disais qu'il y avait rien de pire que la mort. Ouais, bah j'avais tort. Eh, hey, ça va aller. Et comment? J'entends ma couchette qui m'appelle. On a eu très très chaud. On a eu très très chaud. Est-ce qu'on peut reprendre cette histoire de dynamite un petit peu là? Allez, se saouler à mort, c'est fait. Quand Iron Mike, putain, bientôt niveau de confiance en plus. Ça pourrait être cool pour avoir un peu de nitro, mon pote. Très bien, bon, on va juste attendre la prochaine mission. Tout simplement, on va retourner sur la moto. Et on va voir un petit peu ce que ça a donné. Vic, tu l'as trouvé? Ouais, Ricky, je l'ai trouvé. Comment il va? Eh ben, disons que demain, il aura une gueule de bois monumentale. Une gueule de bois? Ok, j'essaierai de m'en souvenir quand j'irai le voir à 6 du mat. Ouais, ça aurait pu être pire. On grouillait partout. Je suis contente qu'il aille bien. Qu'il soit fait de sang. Dick, il le mérite. Mais t'en as dans le ventre, toi. Ça a pas dû t'inquiéter plus que ça. À propos du bras de Boozer. Très très bien. Eh ben, on va voir un petit peu ce qu'il a, son bras encore. C'est par où, par contre? C'est par ici. Hey, Ricky, j'ai un service à te demander. Ouais, Dick, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos du bras de Boozer. J'ai vu le crochet que tu lui as fabriqué et il est super, hein. Mais tu crois pas que ce serait mieux si...
À la place d'un crochet, il avait, je sais pas moi, un genre de lame, un truc tranchant comme un couteau. Qu'est-ce que t'en dis ? Oh, une seconde. Oh, aide-moi, merci. Mais... Je suis désolée. Donc tu voudrais que je fabrique une prothèse tranchante pour Boozer. Ouais, je me suis dit que ça lui remonterait le moral, qu'il se sentirait un peu plus... Et que ce soit une arme ambulante. Je l'aurais pas dit comme ça, mais... Allez, je déconne, Dick. Je trouve que c'est une super idée. Je vais voir de quoi j'ai besoin et je te donne la liste par radio. Ça te va ? Ok. Cool. T'en abuse pas ! Prends un couteau de cuisine et tu lui scotches, sérieux, putain ! Ok. Très très bien. Bah c'est parti, on va aller sur la moto, on va quitter le camp. Attendez l'appel de Ricky, on va attendre bien sagement son petit appel des familles. Histoire qu'elle nous mette bien dans la merde pour un bras de mort et une idée de mort. Comme d'habitude. Sinon ça serait bête, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de jeu, hein, n'est-ce pas? Putain, il y a plus important que foutre un putain de couteau. Tu prends un truc de boucher là, tu lui mets au bras, tu mets du scotch double face, je connais bien une Chinson. Et frérot, ça reste collé hein. Merde, cavaleur. Quoi? Quoi, cavaleur? Ah ouf, c'est pas mal. Boozer, t'es là? Ouais, Dick. Je viens de finir le taf. J'ai passé la matinée à trimballer des sauts de merde. Oh putain d'enfoiré de schizo. Je mentirais si je te disais que ça me manque pas. T'es dans le No Man's Land. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'amuses toujours à pourchasser l'hélico du Nero? Ouais. Nouveau, c'est ce qui est arrivé à Sarah, je veux dire. Non, pas encore. Combien de temps tu vas les laisser te mener en bateau? Il me mène pas en bateau. Il enquête, mais ça prend du temps. Tout ce que je dis, c'est que tu devrais pas trop espérer. Terminé. Ok, toujours pas le bon appel. Merci Boozer en tout cas de perdre espoir. Et eh ben on va attendre et on reprend la vidéo dès qu'on a l'appel, les amis. Hey Dick, j'en ai une bien bonne. Mike, salut, qu'est-ce qui t'arrive? Ricky m'a donné une liste de courses. Apparemment c'est pour Boozer. Elle m'a dit de t'appeler. Ok, et elle est où, Ricky? Il y a eu un truc avec Adi, j'ai pas demandé. Bref, écoute ça. Elle veut un tuyau en métal galvanisé. Ces tubes qu'on utilise en construction, là. De la ferraille. Et une lame en alliage de carbone comme celle des couteaux de chasse. Voilà. Elle te parle, cette liste à toi. C'est vite dit, Mike. Je fais comme toi, je demande pas. Terminé. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Une lame, un tube en métal et de la ferraille. Oh la vache, Ricky. Un tube en métal. Je peux pas prendre un tube. Il faut que je trouve un chantier. Réfléchis une seconde. Il y avait une maison en construction à Marion Forks. Je parie que je vais trouver ce qu'il me faut là-bas. Allez! What? 2 km, c'est chiant! Ah oui! On me trimballe à travers toute la map. Ok! Quel plaisir! Bon, bah voilà ce qu'on va faire. On va faire un petit voyage. Ouais, clairement, ouais. On va faire un voyage rapide jusqu'ici. Ensuite, on va aller à la station essence à côté. Ça m'emmène totalement au nord! Pour un putain de boule métal, ça risque d'être terrible cette mission. T'es debout? C'est Dick. Il doit dormir. Ok, maintenant, il faut aller... Ouais. Ouais, j'ai bien compris. On va aller là. Dick, c'est toi? Merde, désolé vieux, je voulais pas te réveiller. J'ai tendance à tomber comme une pierre quand je passe la journée à creuser des trous au frangin. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais prendre de tes nouvelles, frangin. Je voulais vérifier que t'es pas reparti en vadrouille au beau milieu d'une horde. T'en fais pas pour moi, va. À t'entendre, c'est plutôt toi qui t'offres une petite virée. Bon, faut que je dorme un peu. On parlera plus tard, terminé. Ok, bientôt arrivé à la station essence. J'ai été mis d'essence, ça tombe très très bien. 250 mètres, ça va faire une sacrée virée tout ça.
Ça va faire une putain de sacrée virée pour un putain de bout en métal de mort. Et ça risque d'être fort embêtant. Donc à mon avis, on va s'arrêter juste devant. Putain, je suis jamais venu ici. On est où là? J'ai peur, hein. T'en avais bien besoin. J'ai mouru. C'est bon. Boum! Ah, dans ma Schneckzer, hein. Ça dégage. Squat, on fait chier. J'ai entendu un piège. Attends. Il est touché. Wouah! Tire! Bande de fous! Ok. Respectez-moi, hein! Ça peut servir. Ok, ça je vais prendre ça. Rien je à foutre. Ça. Quoique la batte. Qu'on a là? Ouais, la batte elle est à 100% et elle est mieux. Ok. Bon, je sais, j'ai laissé ma moto parce qu'elle ne roulait plus. Voilà, elle voulait plus redémarrer, je sais pas pourquoi. On a eu très très chaud. Hop, on y retourne, hein. Je refais le plein, j'en ai rien à foutre. Moi je suis un gars comme ça, bon. Ouais, j'ai pas peur de faire le plein en fait. Allez, on est parti. On se met à 200%. Ok, je sens que cette mission va être terrible. Fort ennuyante. Ah putain, c'est ici qu'on a commencé le jeu, je crois. Ça me dit quelque chose là, les deux. Ok, 800 mètres. Allez, go. On va peut-être lui faire ça deux jours, hein. Pas vous mentir que là, je commence à avoir des petites déceptions. Ah, des regrets, hein. Des regrets qui se créent très rapidement. Commence à faire chier tout ça, hein. C'est par là. Bonjour, vous allez bien? Tranquille, je veux de mal à personne. On va passer par là. What? What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce chemin? Ce chemin tordu là? Waouh! Oh, une beuglarde! Non, c'est bon, j'ai assez donné. Hein. Ah! Ah ouais! Ah ouais, c'est chaud! Ah, je savais pas que ça faisait ça! Putain, l'enfer! Boozer, je te déteste! Ok. En plus, je commençais à me dire, putain, franchement, c'est quoi ça? Oh la vache! Je commençais à dire, putain, franchement, Boozer, on commence à s'y attacher, hein. Bah, t'es une belle salope, mon pote. Où tu te caches, tube en métal? J'ai peur, hein. Ah, te voilà. Ouais, ça va le faire. Je l'ai pris. Ok. Alors attends. Ok, ça va, c'est juste à côté. Attends, attends, où est-ce que j'ai vu un magasin d'articles de sport déjà? Non, non. Moi j'entends rien, vous entendez quelqu'un vous? Le voilà. Maintenant, faut trouver une lame. Ok, une lame. Je connais la chanteuse. Ça. Ok, quoi? Voyons ce qu'on a ici. T'es à moi maintenant. Ça peut toujours servir. Merde, de l'autre côté. De quoi t'es à moi? Non, non, t'es pas à moi mon pote. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... On a quoi? Ok. À trouver. Là, je suis pas bien. Ok. J'ai paniqué. Très bien. La lame. Bon, ça devrait suffire. Allez.
Ok. Attends, quoi? On a tout? C'est quoi ces conneries? Je suis venu ici pour ça! Foutez de ma gueule! Mission de mort! Oh là là! Oh là là! Si l'enfer a un nom, c'est ça! On va faire comme ça, tout simplement. On va aller prendre de l'essence. Oh l'enfer! Bon, on ramène les lames, on va pouvoir clôturer cette vidéo. C'est plutôt pas mal. Il y a du positif tout de même. Bon, on va pas se mentir, autant se retrouver directement devant Ricky. On va pas chercher midi 14h. Allez, c'est bon. Parti, direction le camp d'Iron Mike. On va donner tout ça à Ricky, on va pouvoir se laisser là. N'oubliez pas de j'aime et de commentaire, on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. À bientôt tout le monde, évidemment. Qu'est-ce que vous êtes beau aujourd'hui, c'est incroyable. Ricky, régale-moi. Salut. Salut. J'ai trouvé ces pièces dont t'avais besoin. Super. Bah, repasse plus tard et je vais voir ce que je peux faire. Ricky. Merci. Ouais, vous aurez des notes maintenant.